Elle est coupée. Je vais la mettre parce que le type qui dormait. Bon, et donc voilà, j'arrive à la gare de Niolon. Voilà. Et là, la gare. 50 mètres plus loin. Je vais monter en face là-bas maintenant. Alors, 100 mètres de goudron à 25%. Et normalement, mon petit chemin, il est là. Pour attraper la veste. Ouais, un peu. Il y a des cailloux. Quand je peux pas venir avec l'électrique, là il y a le. Et toute passerelle, il faut porter le vélo en face là-bas. Et l'électrique, c'est super lourd. Il y avait un sentier par le littoral, beaucoup moins long. Quasiment pas de dénivelé, mais c'est passé une fois que c'est grillagé, c'est interdit. C'est pour ça que depuis, je passe par là. Parce que je passe pas souvent. Voilà. Mis ma trace, mais j'aurais peut-être dû le faire parce que c'est en face que je vais où il y a la voiture blanche garée à gauche. Ouais, faut regarder. Là. La passerelle portée là et là-bas. Alors, petite remontée après la veste et l'espèce de passerelle. 75% en vélo, puis après il est parti, ça vient de là. Alors là, le plus dur, vous voyez le travers là-haut, et ben on va débouler là au col, en haut, et descendre sur la batterie de l'autre côté. C'est le plus dur ça, après la remontée sur la route Pompidou, c'est dur, mais c'est du goudron. Si on est fatigué, on va doucement, puis c'est tout. Alors là, je rattrape le fond du ballon. J'étais à fond à gauche.
L'embranchement est là. Et tout droit, ça remonte à la au Pompidou aussi. Hein. En une fois donc. Alors que là, c'est en deux fois. On voit là-bas. Il y a deux lacets.